Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode par jour, toujours à la chasse au progrès, toujours en mode hostile mob, vous le voyez, 72 levels, je suis pas remonté à 100, pas moi en tout cas, je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu très peur, et on va retourner dans le Nether, cette fois-ci, on va prendre notre courage à deux mains, vous voyez que j'ai récupéré aussi des trucs, ça c'est grâce à des... et on va aller les ranger, et puis ça aussi, hop, c'est fonctionnel, ça y est. Je récupère du cuir et de la bouffe, donc ça c'est cool. Et bon évidemment ils sont allés dans le Nether, hein, les cocos ils n'ont pas attendu. Hein. À peine au courant que j'avais ouvert le portail, ça a précipité. Ils y sont allés direct. Bon, après je leur avais dit qu'ils pouvaient y aller, hein, donc normal. Le truc qu'ils m'ont signalé, c'est qu'a priori on a une aggro permanente dans le Nether, donc ça c'est pas cool. C'est-à-dire que les pigmen nous attaquent tout le temps. Voilà. Un truc pratique, hein. Ça va être cool, du coup, d'aller dans le Nether, si on n'est pas tranquille deux secondes, je vous voyais un peu le tableau, donc je m'attends au pire. En attendant, voilà, j'ai récupéré quand même un petit casque de tortue qui m'a donné aussi des écailles de tortue, je vais mettre ça dans mon bazar, hop, et quelques progrès au passage. Ça, les petites graines, on va ranger ici. Les petites trucs là, pour l'instant, on range comme ça, un petit peu à l'arrache. Je fais régulièrement aussi de la poudre d'os. Donc vous voyez que c'est pas mal parce que j'ai déjà 13 cuir. Je suis allé chercher chez Alfonso de la canne à sucre, puisqu'il en avait ramené juste à côté. Voilà, bon, j'allais pas aller explorer juste pour de la canne à sucre. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se fasse aussi une petite usine à canne à sucre. C'est pour ça qu'aller dans le Nether, c'est pas du luxe. On aura ainsi du quartz. Et on pourra faire des observeurs. Je mets un casque doré parce qu'on sait que là-bas c'est dangereux. Et qu'on arrive en zone dangereuse au sens carmin. Avec des gentils petits piglins qui risquent de nous taper. Donc voilà, on est pas mal là. Allez, on va essayer d'aller dans le Nether. Et de pas mourir. Surtout si les pigmen attaquent tout le temps. Alors Lucky Holch a frappé, puisque je vous l'avais vu hier, je suis arrivé direct dans une citadelle, mais si les pigmen nous attaquent tout le temps, c'est une double chance d'être arrivé là, parce que du coup, je vais être à peu près tranquille, nom d'une pipe de trident de crotte. Hop, il faut que je l'esquive, que j'arrive à manger. Hop. Ah non, d'une pipe, c'est pas possible ces machins-là. Ah, il m'a vu en plus. Aïe, il va me tuer cet idiot-là. Écoutez, c'est peut-être plus sûr d'aller dans le Nether que de rester avec lui. Donc, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah bah non, il m'a suivi. Non, je peux pas mourir dans le Nether, c'est pas possible. C'est pas possible de mourir dans le Nether. Hop, là j'ai vu un pigmen, donc je vais de l'autre côté. Hop. Ah, j'essaye. Ah, mais il m'a suivi par là, par où? Comment il m'a suivi, lui? Comment il m'a suivi? Ah, bah c'est les copains, ça. Bah si vous voulez m'aider, les copains, c'est le moment. Oh, nom d'une pipe. Ah, mais non! Ah, c'est pas vrai! Bon, bah il faut que je retourne chercher mon stuff. C'est pas possible, ça. J'ai pas de chance avec les noyés. C'est pas possible. En plein record. Ta-da-da. Alors, ok, ça devient très compliqué, cette aventure, quand même. Hein. Il m'a suivi. Ah, l'arnaque. Allez, j'espère qu'il n'y a pas un deuxième noyé, là. Et oui, j'ai besoin d'aide, mais tant que je nage, je vais pas pouvoir demander de l'aide. Oh punaise, juste quand je prenais mon bateau en plus. Hop. Hop, voilà. Alors, ok, donc on sait qu'il est parti par là, du coup, moi je suis parti à gauche, voilà. Ah bah c'est bien, il a laissé un paquet de tridents. Non, 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 non. Ah, c'est pas possible, je vais avoir combien de morts là. Il me faut un truc en...
Il faut un truc en or. Voilà, faut pas que je me précipite comme ça, c'est bête. Hop, j'ai de l'or. Hop, on va se faire. Non, on va peut-être se faire juste le truc le plus moins coûteux. Voilà, des bottes, c'est très bien. Hop, tic tac. Ah non, mais je peux pas dormir, moi. Vous êtes gentil, je peux pas. Je peux pas. Il faut absolument que je retrouve mes affaires. Il y a un stuff en diamant quand même dans l'histoire. Bon, après, voilà, ça peut arriver, c'est la vie. On va accepter l'idée que cette partie est devenue plus pire que hardcore, en fait. Hein, soyons honnêtes, c'est pire que du hardcore. Le hardcore à côté, c'est de la gnognotte. Bon, ok, on n'a qu'une vie, mais en fait, en hardcore, vous êtes qu'en mode difficile. Et là, je morfle, quoi. Je morfle carrément. Alors, est-ce qu'il va encore m'attaquer, lui? Là, il devrait pas m'attaquer, logiquement. Hop, je récupère mon bateau. Est-ce qu'il y a mon stuff quelque part? Oui, là. Allez, tac, 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 tac. On récupère un maximum de choses. Où est-ce qu'il est noyé? Ah non! Il m'a retrouvé. Ah, c'est pas vrai! Je vais pas y arriver. Hein. Nom d'une pipe. C'est compliqué. Lol. Ah, c'est quoi cet épisode qui part en cacahuète? Alors, on va essayer comme ça. On va se refaire des bottes. Au moins éviter que les piglins me tapent dessus. Là, pour le coup, je pense que je suis à combien? Ah, je suis descendu à 58. Eh ben, ce régime-là, je vais revenir à des mobs normales. Hein. Je suis à combien de morts, là? 12. Aïe, 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 aïe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'au bon endroit? Ce que j'ai trop peur, c'est que mon stuff despawn, en fait. C'est pour ça que je me précipite. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se précipiter, hein? Est-ce que je devrais pas sacrifier une armure full diams? Une pioche en diams? Ah, bah Shimae s'est fait tuer par un piglin zombifié, lui. Bon, et ben on va être plusieurs à courir après du stuff. Ah bah là, il y a du stuff, tiens. Ah bah oui, mais je récupère le stuff de... de Shimae. Et du coup, des progrès que je voulais pas forcément prendre. Désolé. Désolé. Ok. Écoutez, on va faire un truc. C'est qu'on va monter aussi. Il est où, le piglin? Ah oui, par contre. Et ils sont chauds, les piglins, là. Il est où, celui avec du diams? Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ok. C'est chaud de sécher chaud. C'est juste impossible, en fait. Ok. Bon, là, j'ai attiré tous les méchants sur moi, ça c'est clair. J'ai le stuff de Shimae. J'ai que 4 flèches, mais j'ai son super arc de la mort qui tue. Ah ouais, c'est celui qui a des diams là qu'il faudra arriver à shooter. Ah la vache. Et comment voulez-vous que j'aille récupérer mon stuff, moi? Est-ce que... Non, t'as même pas une hache. Essayez de récupérer comme ça. Ah, c'est chaud.
c'est très très chaud. Hop. Ok. Ok, ok. Je fais des progrès au passage. Ok. Je pense que mon stuff, je vais pouvoir en faire mon deuil. Hop. Ah, j'arrive même pas à récupérer les... Ok, ça craint ça. En fait, comme j'ai pas de... Donne ton stuff. Hop. 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 Moi, j'ai plus rien. Ah, sans deck. Sans deck, c'est pas possible. J'ai même pas de quoi me mettre en hauteur, donc je peux pas aller me... Ah, et puis il a perdu son arc. Mince. Comment descendre? Comment descendre? C'est comment descendre là, là. À côté de la flèche. Oh là, je tape n'importe quoi avec le stress là. Bon bah vous avez un épisode apocalyptique là. De chez Apocalyptique. J'essaye de me faire une petite descente là. J'ai au moins... Ah bah oui, c'était sûr là, s'il descend comme ça, Shima, il veut absolument son arc en fait. Toutes ses morts sont liées à cet arc magique là, qu'il a réussi à avoir une façon ouf. Hein, cet arc complètement pas legit. Hein, puisque c'est un arc qu'il a eu avec un captain. Hop, alors c'est comment là? Oh là là, c'est haut. C'est très très haut. Ouais, je vois mon stuff là-bas. Je vois aussi plein de piglins. Bien énervé. Ah, puis il y a toujours l'autre avec son trident. Ah bah non, mais c'est pas possible ça. Pourquoi les mobs despawnent moins vite que le stuff? C'est juste pas possible. Je vois mon stuff là-bas. Je vois mon petit stuff. Tout là-bas. Comment aller le chercher? Shima, il veut absolument voir, mais je pense que là, il va falloir qu'il capitule. Alors ça, c'est un épisode qui n'était pas prévu du tout. C'est le genre d'événement bien galère. Et pensant là, il y a Shirazda qui tant bien que mal. Ah mince, là je peux plus. Essaye d'attirer les piglins sur elle. Là, il faudrait qu'on soit malin, en fait. Ah, là, c'est pas mal, ça. Je peux descendre là. Ok. Est-ce qu'il m'attaque, les cocos, là?
attaque pas lui. Piglin zombifié. Ah si. Ah si, 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 il essaye. Il essaye de m'attaquer. Mince. Ok, ils sont tous agressifs en fait. Quoi qu'il arrive, ils sont tous agressifs. Donc je sais pas ce qu'ils ont changé dans le mode pack, dans le data pack, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Hop, merci Shirazda. On peut toujours compter sur Shirazda. Ouais, il m'en faut plus. Par ici, voilà, par là. Et on va essayer de descendre par là. On va essayer de descendre par là, comme ça, sans attirer les machins, si possible. Ah, je peux pas. Zut. Pouf. Et lui déjà là, il veut attaquer. Ah, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment qu'on va faire? Hop 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 hop. Faut trouver une astuce. Il faut les bloquer aussi. Merci, 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 Shira. On va peut-être y arriver comme ça. Hop, 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 hop. Où il est, lui? Oh là là, un zombie. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là, le zombie? Mais qu'est-ce qu'il fout là, le zombie? Waouh! Yo 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 yo. Ok. Vas-y, Shira. Essaye de le shooter. Oh là là, ils sont tous énervés en plus là. Hop. Il va m'attaquer ou pas? J'essaye de passer, tant bien que mal. Je récupère plein de choses, mais est-ce que je vais récupérer mon stuff? Moi, je suis mort par là. Hop, 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 hop. Ok, donc ça, c'est pas mes affaires, pas du tout. Bon, et ben, c'est mort. Bon, pour le stuff, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Foutu, foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? À un moment, faut admettre quand on a perdu. Ben là, on a perdu. On a clairement perdu. Yeah. Oh, et puis il y a encore l'autre avec son trident. Non, mais sans déconner, quoi. Oh là là, c'est pas possible. Ok. Eh ben, je sais pas comment on peut se sortir. J'ai une partie sur moi, Shimae. Voilà, je vais te rendre ça, 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 et ça. Voilà.
C'est tout, désolé. Palapalapapam. Ah ouais, non, d'une pipe, c'est chaud, hein. Ah ouais, ben on les voit avec leur armure diamant, là. Hop. Alors. Et ben là, vous avez du multi dans sa grande splendeur, en mode... c'est compliqué, la vie. C'est très compliqué, la vie. Et sans arc, c'est juste pas possible de survivre dans cette aventure. Moi qui voulais juste explorer un petit peu cette forteresse. Ah bah maintenant c'est Shirazda. C'est la cata là, mais c'est la cata. On a combien de morts? 21, 12, 51, 16. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette aventure? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc moi je vais pas retourner chercher du stuff, hein. Je vais juste aller voir un peu par-ci, par-là. Mais il y a des zombies dans le Nether maintenant? Non mais il y a des zombies dans le Nether. Ok. Donc mob hostile est vraiment très dur. Très très dur comme datapack. Là vous en avez un aperçu. Clairement, si vous voulez jouer avec, soyez prêt à tout. Y compris à beaucoup mourir. Oh là là. Non mais j'hallucine quoi. Et en plus on arrive dans une forteresse, donc on aurait dû être un peu plus tranquille. Bah non. Pas du tout plus tranquille. De chez pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut récupérer quand même dans cette histoire? Ouais, là, ils sont tous énervés, quoi. Gauvin, il est allé où? Ah oui, il est allé par là, ok. On va essayer de mettre un bloc là. Hop. On va essayer de le suivre. Ok, ah, c'est celui-là qu'il faudra arriver à voir, là, c'est celui en dessous. Lui, il s'est suréquipé, là. Et Gauvin, t'es bon, t'es bon. T'es très bon en fight. Mais c'est chaud, hein. Ah, ils ont même lâché des petites... Ah, c'est le zombie, là, en dessous, qu'il faudra arriver à voir. Là, si je pouvais... juste descendre. Une fois qu'il les aura tous eus. Hop. Allez, on va essayer de récupérer du stuff, là. Hop. Ah, c'est l'autre, là. Il est juste en dessous. Il est juste en dessous. Comment l'avoir, celui-là? Ah, j'ai pas d'outils en plus pour récupérer quoi que ce soit. Je vais être obligé de casser un bloc là. Il est juste en dessous le zombie Diams. Hop, 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 hop. Hop. On se met en sécure. Ah, il est là. Le voilà. Il est là. Hop. Merci. Oh là là, bah heureusement qu'on est en multi. Hein. Et on s'en sort mal, déjà en multi. Donc chaud. Très très chaud. Vraiment très très chaud. Bon, j'ai récupéré un tout petit peu de stuff. Je pense que là, on va retourner. On fera des expéditions groupées et stuffées. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hop là.
je rentre travailler à tout ça. Le Nether n'est pas notre ami. Oui, je vous lis en même temps ce que je tape. C'est... Ah, puis je fais des fautes. Ami. Hop. Non, mais c'est la grosse, grosse galère. J'ai récupéré une potion quand même. Ah, il y a quelqu'un qui en avait marre de mourir et qui a mis son lilas. Enfin, qui a mis un lilas. Ok, c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud. Bah, là, vous en avez eu le bon aperçu. Hein. Là, on ne peut pas faire plus grosse démonstration de la grosse galère dans laquelle ça nous a mis d'essayer d'aller dans le Nether. Oula, ça fait déjà 25 minutes d'épisode. Eh bien, ce sera l'épisode de la galère. Bon, j'imagine que ça va me faire gagner plein d'abonnés, puisque, en général, vous aimez quand on galère. Donc, là, vous êtes servi. Là, j'ai vraiment pas récupéré grand-chose. C'est peu de le dire. J'étais parti avec quelques trucs, quand même. Voilà, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'on ait morflé comme ça. La grosse galère, quoi. La grosse, grosse galère. J'ai vraiment plus rien sur moi, quoi. C'est de la folie. J'ai perdu mes seaux, j'ai... Oh là là, mais j'ai tout perdu. J'ai quand même, merci Gauvin, récupéré un plastron et un casque. C'est déjà ça. On a un peu de diamants d'avance. Et bien, on va réparer nos bottes agilité aquatique. Et voilà, ça va être bien, ça. Si je fais... alors, je sais pas si ça répare comme ça. Non, il faut une enclume. Ah, il me faut une enclume que je n'ai pas. Donc, on va pas réparer les bottes agilité aquatique. On va se faire des nouvelles bottes. Et on va se faire... C'est quoi qui manque? Il me manque un pantalon. Des jambières en diamant. Voilà. Oh là là, l'hécatombe. Mais vraiment, l'hécatombe. J'en reviens pas. J'en reviens pas à quel point on a morflé. Je sais pas à quel niveau je suis descendu. Hop, je vais remettre le diamant là. Il me faut une pioche en diamant aussi, pardon. Hop, oui, bah, il me faut un stuff en diamant de toute façon. Donc là, j'ai plus rien à en faire. Donc on va faire en diamant. Une épée. Allez, une pelle. Pouf, ce sera toujours ça de fait. Une hache. Hop. Et là où aussi, allez, soyons fous. Hein, on n'a plus peur de rien, tellement on a morflé. Je me ferai bien un arc aussi. Voilà, tac. Et puis on va garder le reste des diamants pour s'enchanter quand même. Il va m'en falloir un petit peu. C'est la grosse, grosse galère quand même, cette histoire. J'en reviens pas. Je vais mettre quelques épisodes à m'en remettre, je pense. Voilà, j'ai une flèche, je vais aller loin avec ça. Donc, bing, bing. Là quand même, ouais. Je pense que je... si quelqu'un peut me dire qu'il a déjà vu ça dans une aventure... Sans le côté, voilà, sans rajouter un datapack ou une aventure normale, je serais extrêmement surpris. Parce que là, franchement, on a mangé, pour rester poli. On a bien morflé. Et là, j'ai un soin instantané 2 qui, ouais, voilà, je l'ai peut-être piqué à Shimae, qui doit être un peu vexé d'avoir tout paumé. Il va falloir recommencer Shimae, c'est le principe de Minecraft. Hein. Minecraft, c'est faire et refaire, c'est déjà travailler, je crois. Ah non, le voilà, il revient. Hop, il n'est pas trop vexé, ça va. Moi, j'en reviens pas, par contre, d'avoir morflé comme ça. Je pense que là, on va se stuffer, hein, clairement. Donc, demain, on va se faire... hop, je me retourne vers vous. On va se faire une usine à papier, parce qu'on va avoir besoin... Enfin, canne à sucre pour avoir du papier en masse. Parce que là, il faut que j'enchante, clairement. Là, il faut que je sois full enchante, P4, tout ce qui va bien. Pour avoir une chance, il faut que j'ai un arc de compétition. Voilà. Et donc, c'est une autre aventure, en fait, avec ce datapack, je vous le rappelle, qui s'appelle Mob Hostile. Et on a aussi mis Mob Captain, tant qu'à faire. Donc, on galère grave, de chez grave. Tiens, d'ailleurs, hop, si je fais F4, avec toutes les morts, je suis redescendu à 58. Vous voyez. Donc, je suis redescendu à 58 levels. Donc, ils vont être un petit peu moins méchants, les mobs. Mais ça pique dur. Allez, ça fait une demi-heure qu'on galère. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. On va se dire à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.